Je refais un essai. C'est mieux pour tout le monde. Bien, merci de votre vigilance. Donc, avant de passer la parole à M. Collins pour l'appel, je voudrais donc signaler à l'Assemblée la démission de M. Thierry Riotor, dont je voudrais remercier l'investissement tout au long de cette année 2020 au profit de ses concitoyens, et saluer l'arrivée de M. Fabrice Tabary, au fond de la salle que je salue, M. Tabary qui est un citoyen engagé depuis de longues années, qui était présent dans les conseils de quartier, mais qui à cette occasion va intégrer donc le conseil municipal. Donc M. Tabary, soyez le bienvenu. Est-ce que vous voulez dire quelques mots? Alors enlevez votre masque et prenez un micro qu'on puisse vous entendre. Merci. Oui, en fait, merci à vous pour l'accueil. Merci, monsieur le maire. Thierry Riotor m'a donné une lettre à lire éventuellement, si vous me permettez. Je vous en prie. Monsieur le maire, chers collègues du conseil municipal, chers administrés, alors que pour des motifs strictement personnels, j'ai pris la décision de démissionner de mon mandat de conseiller municipal, je voulais vous remercier pour le bon accueil que vous avez fait du néophyte en politique locale que je suis. Je voulais vous dire que ces quelques mois passés parmi vous m'ont permis de toucher du doigt l'importance, mais aussi la complexité des sujets abordés au cours des réunions de notre conseil municipal. Bien traiter tous ces sujets qui concernent une multitude de domaines, enfance, jeunesse, éducation, économie, sécurité, aménagement du territoire et bien d'autres encore, exige un investissement personnel énorme. C'est cette difficulté que j'ai rencontrée à faire face à ces engagements, en plus de tous ceux que j'avais déjà par ailleurs, qui m'a amené à prendre cette décision, difficile, mais sage, de me retirer de ce conseil. Faut-il le préciser, ma confiance et mon attachement à l'équipe de Philippe Brio restent entiers. C'est en parfait accord avec Philippe que j'ai pris cette décision. Le DRH que je suis et l'homme d'entreprise que j'ai été pendant plus de 30 ans m'ont fait observer très attentivement le mode de fonctionnement de notre institution. Qu'il me soit permis alors que je vous quitte de partager avec vous une observation. Compte tenu de l'importance des sujets que nous avons à gérer et compte tenu de l'incroyable complexité de la période que nous traversons depuis une année, j'aurais cru que face à l'adversité, une sorte d'union sacrée aurait vu le jour, que la mobilisation des compétences aurait été effectuée quel que soit le bord d'où elles proviennent. C'est ce qui se passe en entreprise, car les rivalités se paient très cher, perte de clients, perte d'emplois, rachat par un prédateur. Or, ici, les clivages partisans auront été plus forts que la défense du bien commun. Et c'est pour moi l'objet d'une réelle déception. En conclusion, et comme la période m'y autorise, je formulerai deux vœux. Le premier est que notre institution, plus que jamais, puisse prendre chaque fois qu'il le faut la bonne hauteur de vue pour faire passer l'intérêt général avant le calcul politicien. Le second est que vous fassiez le meilleur accueil possible à mon ami Fabrice Tabary, qui prend ma suite. Et là, je ne doute pas que ce vœu sera exaucé. Merci, monsieur le maire. Merci, monsieur Tabary. Et donc, il nous reste toutes et tous à méditer les paroles de monsieur Riotor sur tous les bancs de cette assemblée. Je passe la parole à monsieur Collins en lui indiquant qu'à ma connaissance, il y a deux pouvoirs. Celui qui nous a été communiqué par madame Lemenet, donc c'est monsieur Brio qui porte le pouvoir de madame Lemenet, et celui de madame Kelly qui a donné pouvoir à madame Temenides. Monsieur Collins, vous avez la parole. Merci, monsieur le maire. Donc, je procède à l'appel. Richard Delepierre. Présent. Violaine Charpentier. Présent. Benoît Ribert. Présent. Lucie L'Oncle Duda. Présent. Louis-Marie Soleil. Présent. Véronique Siadou. Présent. Christophe Consdorf. Présent. Martine Bélier. Présent. Jean-Louis Jarige. Présent. Aline Temenides. Présent. Philippe Collins présent. Gilles Bertin. Claude Joriot. Marie-Thérèse Kelly représentée par Aline Temenides. Dominique Forget. Marie-Claude Chevrier, Janine Bataille, Simon Bonne, Patrick Berthomé, Jean-Michel Wenger, Tanguy Odic de Kernen, Géraldine Arène Schneider, Marie-Laure Majou, Frédéric Darentière, Valérie Jeannequin, Anne Testu, Agathe Méry, Joséphine Darmentier, Martial Prado, Camille Ribert, Jean-Christophe Voiseux, Marc Sévely, Marie-Cécile Godot, Jean-François Pemery, Maurice Toledano, Philippe Brio, Nicole Alquier, Karine Lemenet sera représentée par M. Brio, Laetitia Guignarvio,
Fabrice Tabary, Stéphane Gors, Dorothée Bidger, Caroline Nocringer. Merci. Monsieur le maire, à vous. Merci, Monsieur Collins. Le quorum est atteint. Nous allons donc ouvrir cette séance par une traditionnelle approbation du procès-verbal, celui du Conseil municipal du 18 novembre 2020. Y a-t-il sur ce procès-verbal des remarques ou des souhaits d'intervention? Pas de remarques. Ce procès-verbal est donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Nous allons passer sur une première délibération qui concerne la cession d'une emprise de 12 mètres carrés accueillant le local poubelle du restaurant Hippopotamus. Monsieur Emmanuel Chagnot-Forain, et je passe la parole à Madame Théménides. Merci Monsieur le maire, bonsoir à tous. Donc, constatant que l'emprise foncière de 12 mètres carrés n'était plus affectée à l'usage direct du public, je vous rappelle que cette emprise de 12 mètres carrés est occupée par un local poubelle à usage du restaurant aujourd'hui, qui est derrière. Donc, le conseil municipal a entériné cette désaffectation en prononçant son déclassement lors de notre délibération du 16 décembre dernier. Sur la base du plan projet de division de ces parcelles, qui a été établi par le cabinet Egeto en date du 18 février 2019, le pôle d'évaluation domaniale de la direction financière, de la direction des impôts, a estimé le 15 décembre dernier la valeur de cette emprise à 1 400 euros. Le 8 janvier 2021, le propriétaire de la parcelle, cadastrée donc AN6, qui est l'assiette du restaurant voisin, s'est porté acquéreur à ce prix. Dans ce contexte, il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser la cession de cette petite emprise foncière sur laquelle est installé le local poubelle du restaurant à M. Emmanuel Chagnot-Forain, propriétaire de la parcelle voisine cadastrée AN numéro 6 et du bâtiment qui accueille le restaurant Hippopotamus, et ce pour un prix de 1 400 euros. Merci Madame Théménides. Y a-t-il des souhaits d'intervention? Madame Nocringer, vous avez la parole. Merci. Alors, lors du conseil municipal du 16 décembre, vous nous avez proposé deux délibérations portant sur la désaffectation et le déclassement du parking de l'avenue du Tartre et sur l'emplacement du local poubelle du restaurant Hippopotamus en vue d'une éventuelle cession. Il nous est proposé aujourd'hui une délibération afin de céder l'emprise foncière du local poubelle. Pouvez-vous nous indiquer ce qu'il en est de l'éventuelle cession du parking ? Pas à ce stade, c'est prématuré. Donc aujourd'hui, c'est une délibération sur le local poubelle. Le moment venu, nous redélibérons ou pas sur la cession du parking. Merci. Y a-t-il d'autres souhaits d'intervention? Si pas d'autres souhaits d'intervention, nous passons au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Deuxième délibération, elle concerne la fusion des écoles maternelles Boucher et Bastier pour la rentrée 2021, et c'est Madame Véronique Siadoux qui rapporte cette délibération. Merci Monsieur le maire, bonsoir à tous. Donc je vais vous présenter donc le projet de fusion des écoles maternelles Boucher et Bastier. Donc pour ceux qui ne connaissent pas très bien, ce sont deux établissements qui sont complètement identiques et qui sont réunis par l'espace restauration scolaire et qui sont situés en bas de la rue du Hameau. Par la mise en œuvre de la réforme des rites scolaires dans la commune historique du Chesnay en 2014, on a pu développer en fait l'opportunité d'avoir une offre périscolaire dans chaque école, donc dans le respect de la continuité éducative inscrite dans le projet éducatif territorial de la ville, mais aussi celui d'un budget maîtrisé. Donc la contiguïté des écoles maternelles dont je viens de vous parler de Boucher et Bastier a tout d'abord rapidement permis en fait de former une entité périscolaire unique de fonctionnement sous la responsabilité éducative d'un seul référent, unité autorisant une meilleure gestion des moyens humains et matériels mis à disposition. Le rapprochement de ces deux entités scolaires, quant à lui, ne pouvait être réalisé et rendu possible qu'au départ d'une des deux directrices de l'école. Et il se trouve que cette année, donc, les deux directrices vont partir à la retraite à l'issue de cette présente année scolaire. Donc, l'effort de rationalisation peut ainsi se poursuivre à la rentrée prochaine par la fusion des deux écoles maternelles autour d'un espace de restauration unique partagé depuis l'origine de la construction des deux établissements. Donc, cet ultime rapprochement
présenterait différents avantages. Donc, l'établissement a des locaux qui sont relativement grands et qui permettraient donc d'une exploitation de l'espace un peu différente dans l'intérêt des enfants et de l'équipe éducative. Donc notamment en répondant un peu mieux aux besoins physiologiques des petits et des grands par la mise en place possible d'un espace réservé aux petites sections autour notamment de dortoirs repensés et d'autre part aux besoins des adultes qui auront pour les enseignants une salle des maîtres plus grande et un espace dédié aux ATSEM, donc, hein, qui sont les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, donc qui sont des agents de la commune et qui sont en binôme et accompagnent chaque enseignant et qui vont pouvoir aussi avoir un espace dédié et sans travaux très importants puisqu'il suffira seulement de déposer une cloison séparant deux bureaux. Ensuite, l'avantage de cette fusion permettra d'avoir une école donc de 8 classes qui aura donc une direction un peu plus attractive avec une décharge un peu plus importante et donc un partenaire par conséquent un peu plus disponible. Et le fait d'avoir aussi une école à 8 classes permettra aussi d'avoir une plus grande dynamique en ayant 2 classes par niveau et des enseignants qui travailleront plus probablement par projet. Cela permettra au niveau de la commune d'avoir un périmètre scolaire unique, donc avec une gestion simplifiée des inscriptions et des dérogations internes. Et enfin, une organisation aussi des temps périscolaires qui sera simplifiée et sécurisée. Alors simplifiée parce qu'on va pouvoir affecter un espace périscolaire dédié, optimiser aussi le taux d'encadrement et sécuriser puisque ça permettra d'avoir un accès spécifique au périscolaire. Donc, le projet a été présenté au directeur académique des services de l'éducation nationale dans un courrier donc, du 15 décembre que vous pourrez trouver en annexe. Donc, la présentation aux membres du conseil extraordinaire la présentation du projet a été présentée aux membres des conseils extraordinaires des écoles maternelles Boucher et Bastier, donc réunis séparément en ligne le 7 janvier et qui a recueilli donc une unanimité d'avis favorable à l'école Boucher. Les membres du conseil de l'école maternelle Bastier ne s'opposent pas au projet de fusion physique, mais souhaitent à l'unanimité conserver une organisation préservant les groupes d'élèves et binômes enseignants ATSEM existants, de manière à pérenniser le cadre pédagogique mis en place jusqu'à l'entrée des élèves de moyenne et grande section de cette année, en première année de deuxième cycle. Donc là aussi, vous trouverez les procès-verbaux en annexe. Cette attente sera communiquée à la nouvelle et au nouveau directeur, étant le seul responsable de l'organisation pédagogique sous couvert de l'inspectrice de l'éducation nationale qui a déjà, elle, émis un avis favorable au projet. Donc, les ATSEM des deux écoles ont déjà été aussi informées du projet. Elles ont représentées par un agent de chaque école maternelle invité par les directrices présidentes des séances au conseil des écoles. Donc, une phase de consultation à leur attention ainsi qu'à tous les autres acteurs de l'école, référents éducatifs, périscolaires, animateurs, gardiens, agents de restauration, s'est ouverte aussi le 11 janvier par une première réunion des ATSEM des deux écoles, invitées à se prononcer sur la réorganisation spatiale et fonctionnelle la plus judicieuse dans le cadre de ce projet, sous réserve des contraintes techniques imposées par les exigences réglementaires en application dans ce type d'établissement. Donc, d'autres réunions suivront d'ici la réception de la décision de la direction académique. Donc, d'ici là, donc, l'avis du conseil municipal est requis pour présenter ce projet de fusion aux différentes instances consultatives de l'éducation nationale. Donc, la fusion des deux écoles se traduisant par la fermeture administrative et l'ouverture d'une nouvelle structure avec son propre numéro d'immatriculation, il conviendra également d'en choisir le nom. Une sélection de propositions documentées et argumentées sera ainsi proposée par les élus en charge des affaires scolaires, de la jeunesse et de la restauration aux différents acteurs de l'école, directrices, enseignants, ATSEM, animateurs, gardiens et agents de restauration invités à voter. Les modalités du vote seront définies ultérieurement. En fonction du vote et de la décision du DAZEN, un nouveau périmètre scolaire d'inscription pour la nouvelle école sera soumis aux membres du conseil municipal, périmètre calqué sur celui actuel de l'école élémentaire Guinemer, correspondant à ce jour à l'exact assemblage des périmètres scolaires des écoles maternelles Boucher et Bastier. Merci Madame Siadou. Avant d'émettre un avis sur cette délibération, y a-t-il des souhaits d'intervention ? Madame Alquier, vous avez la parole. Merci. Oui, donc je voulais rappeler que cette opération de fusion avait été envisagée déjà dans le passé et nous avions notamment intégré cela dans, quand nous avions fait la rénovation de ces écoles, d'où certains espaces communs. Et donc nous sommes, et il fallait effectivement attendre le bon moment et je pense qu'effectivement
le départ en retraite des deux directrices permet de faire cette opération dans de bonnes conditions. Donc nous serons favorables à cette opération. Merci Madame Alquier. Monsieur Gors, vous avez la parole. Merci Monsieur le maire. Naturellement, nous voterons favorablement cette délibération. Simplement, c'est vrai qu'au fil du temps, on voit bien que la pérennité des classes n'est pas toujours assurée. Alors, on nous garantit, on l'a bien compris, pour l'année qui vient, donc les 8 classes dans la nouvelle école. Mais on voit bien que derrière, il y a un problème d'attractivité des familles dans notre commune. Et en fait, nous voudrions savoir quelles dispositions vous imaginez prendre pour ramener davantage de familles dans notre commune. Merci. Vous m'accordez 30 secondes ? Bien, Monsieur Gors, c'est un sujet vaste et qui dépasse très largement le cadre de cette délibération. Donc, je ne vais pas sortir du chapeau des solutions magiques. Le sujet de la tendance de la baisse de la population sur notre commune, en tout cas sur la commune historique du Chesnay, parce qu'à Rocancourt, la création du quartier du Bourg a redonné un dynamisme à cette partie de la commune. Elle est l'objet de multiples facteurs, mais je crois que ce n'est pas l'objet de la délibération. Là, on est sur de la rationalisation de l'offre scolaire et je crois qu'on va s'en tenir là pour ce soir. Y a-t-il d'autres souhaits d'intervention ? Si pas d'autres souhaits d'intervention, on va passer au vote qui émet un avis défavorable. Qui s'abstient, avis favorable à l'unanimité. Je vous remercie. Troisième délibération d'une série de trois, mais celle-ci sera présentée par M. Bonne. Elle concerne la convention particulière de maîtrise d'ouvrage temporaire entre la commune du Chesnay-Rocancourt et le syndicat intercommunal pour le gaz et l'électricité d'Île-de-France, le CIGEF, pour l'amélioration esthétique et la création des réseaux électriques de distribution publique et de communication électronique, rue de Glatigny. Monsieur Bonne, vous avez la parole. Merci, monsieur le maire. Merci. Cette délibération concerne l'enfouissement des réseaux. Nous adhérons au CIGEF depuis le 18 décembre 2008 et le CIGEF détient des compétences en matière d'enfouissement des réseaux aériens. En conséquence, cette délibération a pour objet d'établir une convention de maîtrise d'ouvrage temporaire entre le Chesnay-Rocancourt et le CIGEF pour réaliser l'enfouissement de tous les réseaux aériens restants sur la rue de Glatigny, soit depuis l'avenue de Bellevue jusqu'à la place de la Boulée, ce qui représente en gros 500 mètres de tracé linéaire de tous les réseaux aériens et en gros une cinquantaine de branchements. C'est une opération d'un montant total de 470 000 euros, pour lequel je resterai en hors-taxe pour l'instant, parce que je dois dire que dans la délibération, le jeu des TVA fait que le tableau croisé que vous avez ne permet pas de recouper le montant que je vais vous indiquer. Donc du coup, je vous demande de raisonner hors-taxe. Donc globalement, le montant est de 470 833 euros et le montant de la participation de la ville est de 292 000 euros. Ces travaux comprennent toutes les prestations d'Enedis, d'Orange et du CIGEF. Alors, le montant, y compris TVA, est lui de 381 000 euros, puisque l'affectation de cette TVA n'est pas totalement linéaire. Et les travaux d'Orange qui sont, enfin, disons, dans le fonctionnement, Orange reversera à la commune 34 500 euros. Ce qui fait que la charge nette pour la commune est de 346 500 euros. Voilà. Donc le tableau croisé que vous avez sous les yeux là fait apparaître des TVA linéaires, alors qu'effectivement le jeu des TVA n'est pas tout à fait celui-ci. Ce qui fait que le montant que vous avez un petit peu plus loin dans la délibération de 381 000 euros, qui est effectivement le montant des flux financiers, lui est conforme à ce que je viens de vous évoquer. Et on récupère donc 34 500 euros d'Orange, qui fait une charge nette de 346 500. Il faut noter également que le CIGEF a fait un effort particulier compte tenu de l'année de cette année, malheureusement, avec le Covid. Et donc, sur cette année, pour les travaux 2021, il prend la totalité des travaux d'enfouissement des réseaux électriques à sa charge, ce qui fait qu'on bénéficie d'un abondement inclus dans tous ces calculs. Donc aujourd'hui, on bénéficie de 56 000 euros d'abondement supplémentaire par rapport au régime qui aurait été celui habituel du CIGEF. Donc c'est un effort uniquement destiné et exceptionnel destiné à l'année 2021.
Voilà, j'ai fait le tour de cette délibération avec effectivement ce tableau qui, s'il nécessite effectivement une clarification par rapport à la TVA, bien évidemment, on vous la remettra. Mais les montants que j'ai indiqués tout à l'heure sont justes. Il y a juste une agilité à trouver pour effectivement recomposer la TVA. Merci, Monsieur Bonne. Nous ne doutons pas que l'Assemblée a été extrêmement agile. Néanmoins, y a-t-il des souhaits d'intervention, de complément sur cette délibération ? Madame Bilger, vous avez la parole. Bonsoir à tous. Merci, Monsieur le maire. Oui, en fait, je voulais simplement comprendre exactement dans quel contexte s'inscrit cette opération, puisqu'en effet, nous savons parfaitement qu'en général, les opérations d'enfouissement sont toujours associées à des opérations soit de réfection de la voie à proprement parler, soit de l'assainissement. C'est bien pour ça qu'effectivement, on déplore effectivement d'avoir encore beaucoup de réseaux non enfouis dans notre ville, mais il faut effectivement avoir l'occasion de le faire. Alors, ce qui me gêne un tout petit peu dans cette opération, c'est qu'effectivement le tapis de la rue de Glatigny a été refait il y a moins de 20 ans, ce qui en termes de voirie, surtout dans notre commune, est tout à fait acceptable. Donc ma question était simple, est-ce qu'il s'agit en fait simplement d'un enfouissement et donc nous avons les coûts complets, et je trouve un peu dommage qu'on dépense autant d'argent uniquement pour faire de l'esthétique. Sinon, ça peut être aussi associé à la reprise complète du tapis, puisqu'on sait que cette voie va aujourd'hui passer quand même un certain nombre de bus qui nécessiteraient la reprise complète du tapis sur une épaisseur qui serait bien autre que celle d'aujourd'hui. Donc voilà, ma question est très simple, simplement enfouissement ou au contraire une autre opération associée. Merci beaucoup. Monsieur Bonne, vous me paraissez très qualifié pour répondre à Madame Bilger sur ces sujets. Alors, donc la rue de Gatigny se trouve partagée entre une partie qui a été enfouie et une partie qui n'a pas été enfouie. Et vous avez raison, il y a des tapis qui ont été réalisés dans la partie où cette intervention qui va avoir lieu, qui vont tout juste avoir 3 ans. Donc ces tapis qui vont avoir 3 ans ont généré également une réserve de la commune sur le fait que des branchements qui viennent d'être, enfin les branchements qui sont les branchements d'hydraulisse, ne sont pas tous faits, parce que globalement, il a été demandé de les différer compte tenu que les tapis étaient récents. Donc, on se retrouve aujourd'hui avec effectivement l'enfouissement de réseau, mais également, on devrait remettre en conformité un certain nombre de branchements qui n'ont pas été faits en raison du fait qu'on avait différé ces travaux. Donc, globalement, l'opération, c'est d'essayer effectivement de terminer, en gros, les opérations à la fois de branchements qui ne sont pas tous faits, plus effectivement l'enfouissement des réseaux. Et ensuite, on vient de faire un diagnostic chaussée qui va nous donner effectivement les moyens, donc sur l'ensemble de la ville, de pouvoir faire une programmation de l'ensemble des travaux de chaussée en intégrant effectivement, je dirais, l'état structurel et l'état de surface, puisqu'on a effectivement fait passer à la fois des appareils pour effectivement faire la mesure des fissures, de l'aspect structurel, et on va effectivement intégrer l'ensemble des données d'entrée pour effectivement remettre des structures sur celles qui en ont besoin et des tapis, sachant que la rue de Gatigny, elle répond à cette double problématique, l'enfouissement puisse terminer les travaux d'hydraulisse. Merci Monsieur Bonne, y a-t-il d'autres souhaits d'intervention ? Si pas d'autres souhaits, je vais vous demander donc qui s'oppose à approuver cette convention financière administrative établie entre la commune et le CIGEF, qui s'abstient, qui vote favorablement à l'unanimité. Merci. Nous restons toujours dans le périmètre du CIGEF avec une délibération concernant l'adhésion au syndicat intercommunal pour le gaz et l'électricité en Île-de-France de la commune d'Ormesson-sur-Marne. Et c'est M. Joriot qui rapporte. Merci, Monsieur le maire. En effet, le CIGEF a autorisé lors de son conseil d'administration du 14 décembre l'adhésion de la commune d'Ormesson-sur-Marne pour la compétence de la distribution de gaz et d'électricité. Donc, cette délibération doit faire l'objet d'une consultation des collectivités membres du CIGEF. Donc, il s'agit donc d'approuver la délibération du CIGEF. Y a-t-il des souhaits d'intervention ? Qui s'oppose à l'entrée d'Ormesson au CIGEF, qui s'abstient à l'unanimité. Merci. Monsieur Joriot, vous conservez la parole pour une délibération sur la représentation-substitution de l'établissement public territorial Grand Orly Seine-Bièvre au syndicat intercommunal pour le gaz et l'électricité en Île-de-France.
Donc, lors du même conseil du 14 décembre, le CIGEF a acté la régularisation de la situation de l'établissement public territorial Grand Orly Seine-Bièvre relative à deux opérations. D'une part, la représentation substitution de la commune de Morangis en remplacement de l'ancienne communauté d'agglomération Les Portes de l'Essonne. Et d'autre part, la représentation substitution de cinq communes membres du syndicat mixte Orge-Yvette-Seine, dont il est lui-même membre. Ainsi, cet établissement public territorial a donné la représentation substitution au CIGEF pour la compétence distribution de gaz de 12 communes du Val-de-Marne et pour la compétence distribution de gaz et d'électricité de la commune de Morangis. Donc, chaque collectivité membre du CIGEF devant approuver cette délibération. Prendre acte. Pas approuver, prendre acte. Donc, si pas de souhait d'intervention sur cette délibération, et je n'en vois pas, nous allons donc prendre acte de cette délibération, et je vous en remercie. Nous quittons le monde des syndicats pour partir dans celui des abeilles, et je vais passer la parole à M. Ribert pour une convention de labellisation apicité proposée par l'Union nationale de l'apiculture française. M. Ribert, je vous passe le micro. Monsieur le maire, merci. Nous avons, à la fin de l'été 2020, déposé un dossier afin d'obtenir le label apicité qui marque notre engagement dans la valorisation de la biodiversité locale, dont l'abeille est une des sentinelles emblématiques. Notre dossier ayant été accepté grâce aux diverses actions engagées, fêtes de l'été, Semaine européenne du développement durable, il est proposé à notre assemblée délibérante d'adopter la convention de labellisation et d'autoriser Monsieur le maire à signer ce document avec l'Union nationale de l'apiculture française. Est-ce que vous avez des questions ? Monsieur Briot. Pas de question, mais une intervention. Je trouve que cette démarche est tout à fait complémentaire de l'action qui a été menée depuis quelques années sur la mise en valeur de cela. Je pense d'abord la première intervention, c'était celle du centre commercial de Parly 2 en mettant des ruches sur le toit du centre. Et puis ensuite, ces deux jeunes qui étaient venus me voir et que nous avions accompagnés tous ensemble pour développer une start-up. Et je me rappelle qu'on les avait présentés à des vœux et que le directeur d'Orange les avait vus et que ça avait bien plu, que les Chénésiens ont bien adhéré. Et donc, voilà, je me félicite que nous puissions avoir effectivement, en complément de tout ça, cette label. Donc, nous voterons bien évidemment favorablement. Merci. Merci de votre intervention. Y a-t-il d'autres souhaits d'intervention ? Si pas d'autres souhaits, nous allons passer au vote. Qui vote contre, qui s'abstient à l'unanimité. Merci. Je vais repasser la parole à M. Ribert pour la traditionnelle délibération concernant la mise à jour du tableau des effectifs et des emplois. Merci. Donc effectivement, traditionnelle délibération, on en a l'habitude, elle passe environ tous les mois. C'est de la mise à jour du tableau des effectifs qui note l'évolution des différents agents dans leur mission au sein de la collectivité, qui évolue avec les compétences et aussi avec l'obtention et promotion nécessite donc de le mettre à jour. Je note que cette fois-ci, c'est grâce à l'obtention de nos agents ont eu leur concours. Donc, je tenais à les féliciter. C'est pas évident et c'est demande beaucoup d'implication à la fois de travail et de le passer. Et pour l'autre poste, c'est une personne qui change de filière. Donc, il y a un poste d'adjoint administratif qui est supprimé. Un poste d'éducateur des activités physiques supprimé, un poste d'adjoint technique principal supprimé, et donc une création d'un poste d'adjoint administratif principal en deuxième classe, un poste éducateur des activités physiques et sportives principales de deuxième classe, et enfin un poste d'adjoint administratif principal de première classe. Est-ce que vous avez des questions ? Pas de questions, on passe au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? À l'unanimité, merci. Nous allons attaquer maintenant une séquence de délibérations donc, qui sont la conséquence de la démission de M. Riotor. Donc je vais, pour chacune des commissions dans lesquelles siégeait M. Riotor, rappeler les membres des commissions et quand ce sera le moment d'indiquer les membres de la commission, de la nouvelle équipe Equilibrio, je pense que c'est vous, Mme Alquier, qui réindiquerez le nom de la personne qui remplace M. Riotor, et donc comme indiqué en
après, en marge de ce conseil, nous délibérons sur la commission sport une autre fois, parce que M. Rietor n'en était pas membre, et donc lors du prochain conseil, on adaptera la composition de cette commission. Je commence donc par la commission municipale permanente transition écologique. Je rappelle donc les 8 membres pour le groupe majoritaire, donc M. Benoît Ribert, M. Louis-Marie Soleil, M. Claude Joriot, M. Simon Bonne, Mme Marie-Laure Majou, M. Frédéric Darentière, Mme Agathe Méry, Mme Camille Ribert. Pour le groupe Chaîne Courtois au cœur, Mme Dorothée Bulger. Et donc pour la nouvelle équipe avec Philippe Brio, Mme Alquier, je vous écoute. Donc remplacement de M. Rietor, M. Fabrice Tabary. Et donc M. Philippe Brio qui reste également membre, donc M. Fabrice Tabary. Sur donc, cette composition, qui vote contre, qui s'abstient, favorable à l'unanimité. Et je m'assure que l'administration suit. Commission municipale permanente, finances, patrimoine. Pour le groupe Une énergie nouvelle pour le Chêne au concours, donc Madame Violaine Charpentier, Monsieur Benoît Ribert, Monsieur Louis-Marie Soleil, Monsieur Christophe Consdorf, Monsieur Jean-Louis Jarige, Madame Aline Temenides, Madame Marie-Laure Majou, Monsieur Marc Sévely. Pour le groupe Chêne et Courtois au cœur, Monsieur Stéphane Gors. Et pour la nouvelle équipe avec Philippe Brio. Donc Nicolas Alquier et Maurice Toledano. Nicolas Alquier et Maurice Toledano. Qui vote contre, qui s'abstient à l'unanimité. Merci. Comité consultatif économie, commerce, désignation des membres. Donc, un représentant n'apportant pas au conseil municipal, M. Jérôme Legrel. Pour le groupe Une énergie nouvelle pour le Chêneau concours 7 membres, M. Jean-Louis Jarige, M. Patrick Berthomé, M. Tanguy Audic de Kernen, M. Gilles Bertin, M. Marc Sévely, M. Claude Joriot, Mme Marie-Claude Chevrier. Alors, nous avions historiquement 3 personnes pour la nouvelle équipe avec Philippe Brio, mais depuis le groupe d'opposition s'est scindé en deux, donc Madame Dorothée Bilger représente le Chêne Courtois au cœur, et donc pour les 2 représentants de la nouvelle équipe avec Philippe Brio, Nicole Alquier et Jean-François Pommery. Alors, Nicole Alquier, Jean-François Pommery, merci, qui vote contre, qui s'abstient à l'unanimité, merci. Commission consultative des services publics locaux, pour le groupe Une énergie nouvelle pour le Chêneau concours, M. Jean-Louis Jarige, M. Patrick Berthomé, M. Tanguy Audic de Kernen, M. Gilles Bertin, M. Marc Sévely, M. Claude Joriot, Mme Marie-Claude Chevrier, Mme Marie-Laure Majou. Alors là, nous avions historiquement M. Pommery, M. Rietor, Mme Gagnervio, et donc là, il me faudrait 2 noms pour le groupe Une nouvelle équipe avec Philippe Brio. Donc Jean-François Pommery et Laetitia Viau. Laetitia Gagnervio. Et pour le groupe Chêne Courtois au cœur, Caroline Nocringer. Merci à tous les 2. Qui vote contre, qui s'abstient à l'unanimité. Merci. Alors, nous arrivons sur les 2 dernières délibérations. Avant de passer au vote, donc je vous demande votre accord pour convenir ensemble, d'ailleurs tous ensemble, l'ensemble du conseil municipal sur la composition d'une liste commune, parce que c'est un scrutin de liste. Je crois que les 2 groupes d'opposition se sont mis d'accord, donc je vais vous lire les noms. Donc je demande à l'administration s'il faut que chaque conseiller municipal écrive les noms sur un papier. C'est le cas. Est-ce qu'ils ont de quoi écrire? Non. Donc... Ouais, voilà. Donc pendant ce temps, je vais vous lire les noms et je vous les redicterai après. Pour les titulaires, donc seront titulaires M. Louis-Marie Soleil, Mme Aline Temenides, M. Claude Joriot, Mme Marie-Claude Chevrier et M. Jean-François Pommery. Seront suppléants M. Philippe Collins, M. Simon Bonne, Mme Marie-Laure Majou, Mme Marie-Thérèse Kelly et Mme Nicole Alquier. Donc je laisse l'administration vous distribue des papiers, je vous redicte les noms dès que vous avez toutes et tous les papiers. Vous distribuez 2 papiers à chaque fois parce que ça va être rebelote pour la délibération d'après. Ouais. Ça vous évitera de... Merci. Donc je redis, il y aura une colonne à gauche titulaire,
que je vais vous dicter d'abord, et ensuite une colonne à droite suppléant. Dans chaque colonne, 5 noms. On se contentera des noms de famille pour simplifier l'opération. Et donc, vous me dites quand l'ensemble des membres de ce conseil sont dotés des petites feuilles. Oui, je vais. Alors, est-ce que tout le monde a une petite feuille ? Monsieur Aubé, est-ce que c'est bon au fond ? Donc, vous en gardez une deuxième pour le deuxième scrutin. Donc, sur ce premier bulletin, je vous demande, s'il vous plaît, d'être attentif. Donc, sur la colonne de gauche, pour les titulaires, vous noterez Monsieur Soleil, Madame Théménides, Monsieur Joriot, Madame Chevrier et Monsieur Pemery. Et sur la colonne de droite, pour les suppléants, vous noterez Monsieur Collins, Monsieur Bonne, Madame Majou, Madame Kelly et Madame Alquier. Donc je répète, titulaire, Monsieur Soleil, Madame Théménides, Monsieur Joriot, Madame Chevrier, Monsieur Pemery. Suppléant, Monsieur Collins, Monsieur Bonne, Madame Majou, Madame Kelly, Madame Alquier. Est-ce que c'est bon pour tout le monde ? Oui ? Non ? Madame Bataille ? Alors, Madame Majou, Madame Kelly, Madame Alquier pour les suppléants. Oui, mais vous, voilà, vous remplacez Monsieur Riotor par Madame Alquier, ceux qui copient à l'écran. Est-ce que c'est bon ? Parce que c'est quand même pas la dictée de pivot, on devrait y arriver. Allez, c'est parti. Compliqué pour la prochaine parce qu'il n'y a pas de changement, je vais y arriver. Tout à fait. Alors, 1, 2, 1, 2. Alors, a voté Véronique Siadou, a voté Philippe Collins, et ensuite Madame l'oncle Duda a voté. Donc, Richard Delepierre. A voté. Violaine Charpentier. A voté. Benoît Ribert. Louis-Marie Soleil. Christophe Kranzdorf. Martine Bélier. Jean-Louis Jarige. Aline Théménides. Gilles Bertin. Claude Joriot. Marie-Thérèse Kelly remplacée par Madame Théménides. Donc on profite pour dire à Monsieur Briot qu'il doit aussi faire deux bulletins. Monsieur Briot, vous gardez en tête que vous devez faire deux bulletins puisque vous avez votre pouvoir également. Mais il faut deux bulletins. Très bien, parfait, parfait, Monsieur Briot, on s'en réjouit. Merci. Dominique Forger. Marie-Claude Chevrier. Jeannine Bataille. Pardon.
Simon Bonne. Patrick Berthomé. Jean-Michel Wenger. Tanguy Odic de Kernen. Géraldine Arène-Schneider. Marie-Laure Majou. Frédéric Darentière. Valérie Jeannequin. Anne Testu. Agathe Méry. Joséphine Parmentier. Martial Prado. Camille Ribert. Jean-Christophe Voiseux. Marc Sévelli. Marie-Cécile Godot. Jean-François Pommery. Maurice Toledano. Philippe Briot. Nicole Alquier. Donc pour Karine Lemenet, Monsieur Briot. Laetitia Guignard-Bio. Fabrice Tabary. Stéphane Gors. Dorothée Bidger. Karine Nocringer. Alors, faut des mains innocentes. Lucie, oui. Allez, Lucie et Benoît, vous allez travailler. Là, de ce côté-là, Fid. Oui, faites le tour. Merci. Bien, pendant ce temps, pour ne pas... Ben, vous comptez, vous vérifiez que les bulletins sont conformes. Donc c'est l'avantage. Soit il y a du bulletin nul, soit il y a du bulletin valide. Pendant ce temps, je vous invite et donc je voudrais que l'administration projette la délibération numéro 13 parce que l'exercice sera un tout petit peu plus simple, étant entendu que les deux groupes d'opposition sont mis d'accord pour ne pas changer leurs membres. Donc nous allons reconduire à l'identique, mais il faut quand même voter. Donc vous allez reprendre vos petits papiers et juste recopier à l'écran les noms de famille, des titulaires et des suppléants. Donc je vous fais grâce de vous les dicter. Et pour ceux qui ont des procurations... En deux exemplaires, merci. Oui. Donc, 43 bulletins valides pour la liste. Merci à toutes et à tous. Donc, cette composition est adoptée à l'unanimité et je vous en remercie. Donc, pour la dernière délibération concernant la commission délégation du service public, donc je redonne les noms des titulaires proposés.
Madame Théménides, Madame Ernest Schneider, Monsieur Sevli, Monsieur Berthomé, Madame Bilger, et en suppléant, Monsieur Ribert, Madame Testu, Madame Bataille, Monsieur Joriot et Madame Alquier. Est-ce que tout le monde a eu le temps de rédiger son petit bulletin? C'est Monsieur Ribert, pardon. Oui, Monsieur Ribert. Bulletin prêt? Bon, mais c'est parti, Monsieur Collins. Je fais l'appel. Oui. Donc, Richard Delepierre. À voter. Violaine Charpentier. À voter. Benoît Ribert. À voter. Lucie L'Oncle Duda. Louis-Marie Soleil. À voter. Véronique Siadoux. Christophe Ronsdorf, Martine Bellier, Jean-Louis Jarige, Aline Théménides, Philippe Collins, à voter, Gilles Bertin. Claude Joriot. Marie-Thérèse Kelly, remplacée par Aline Théménides, pardon. Dominique Forger. Marie-Claude Chevrier. Jeannine Bataille. Simon Bonne. Patrick Berthomé. Jean-Michel Wenger. Tanguy Odic de Kernen, Géraldine Arène-Schneider, Marie-Laure Majou, Frédéric Darentière, Valérie Jeannequin, Anne Testu, Agathe Méry, Joséphine Parmentier, Martial Prado, Camille Ribert, Jean-Christophe Voiseux, Marc Sévelli, Marie-Cécile Godot, Jean-François Pommery, Maurice Toledano, Philippe Briot, Nicole Alquier, Nicole Alquier. Donc pour Karine Lemenet, Monsieur Briot. Parfait. Laetitia Guignarvio. Fabrice Tabary, pardon. Stéphane Gors. Dorothée Bilger. Caroline Nonon-Cringer. Merci. Merci. Pendant que le dépouillement se fait, je vais donc vous demander s'il y a des questions concernant les décisions qui vous ont été communiquées. Pas de questions. Je vais donc proposer à Monsieur Toledano, qui nous adressait une question diverse, de bien vouloir la lire afin que je puisse y répondre. Monsieur Toledano, vous avez la parole. Effectivement, du fait de l'épidémie toujours active et une circulation virale de plus en plus intense, le dépistage et les vaccinations sont nos deux armes pour agir activement sur cette épidémie. Vous avez, au nom de la ville, contractualisé une opération de test Covid par PCR avec l'Oxamed. Nous avons eu connaissance de vos décisions 10 et 48 qui nous ont été communiquées lors du Conseil du mois de novembre. Depuis, nous n'avons eu aucune décision concernant la poursuite de l'activité de l'Oxamed, comme annoncé, et nous n'avons pas eu par ailleurs le bilan d'activité de la dernière opération de ce dépistage, à savoir le nombre exact des prélèvements réalisés, nombre de chaînées courtois testées et l'analyse des résultats avec le nombre de cas positifs
Ces éléments paraissent importants pour les professionnels de santé de façon à être sensibles à l'importance de la circulation virale sur notre territoire et d'ajuster leur stratégie de diagnostic en fonction de la circulation du virus. Pouvez-vous aussi nous informer sur la durée de la nouvelle opération, mais je viens de prendre connaissance de votre décision que je n'ai pu avoir qu'aujourd'hui, qui m'a informé effectivement que cette opération s'arrêtait le 31 janvier. J'ai aussi pu prendre connaissance du coût. Aussi, je vais, si vous permettez, je vais compléter ma question en vous disant en quoi la période qui vient de se terminer vous a-t-elle paru plus dangereuse pour mettre en place des tests par rapport à la période qui va s'ouvrir et qu'allons-nous faire à partir du 1er février ? Merci. Alors, je passe la parole à M. Ribert et je vous réponds tout de suite après M. Toledano. Excusez-moi, juste pour valider le vote d'avant, donc il y avait bien 43 bulletins pour la liste. Bien, donc pour l'administration, la délibération 13 adoptée à l'unanimité. Monsieur Toledano, donc je vous remercie pour votre question. Je vais essayer d'y répondre assez précisément. Sur le pourquoi de la mise en place de la structure jusqu'au 31 janvier, quand je prends cette décision, la communauté de santé alerte sur le risque lié aux regroupements familiaux pour les fêtes de fin d'année, Noël et Nouvel An. Et donc je fais le choix de maintenir une structure qui couvre assez largement la période du 1er au 15 janvier, puisque la durée d'incubation c'est 15 jours. Et donc je prends une décision qui couvre le mois de janvier, mais elle est clairement ciblée à l'époque, parce que la vérité de cette pandémie change quasiment tous les jours, pour couvrir le risque d'un rebond épidémique et donc de permettre à celles et ceux qui seraient inquiets ou qui seraient cas contact ou voilà, de pouvoir se tester en proximité. Ça c'était avant Noël. Voilà. Depuis, s'est passé beaucoup de choses. Les variants sont arrivés. On évoque de plus en plus le risque d'un troisième confinement. Et donc, j'ai attendu le plus longtemps possible avant de reprendre une décision que donc, je vous communique à toutes et à tous, qui est la prolongation du dispositif tel que vous le connaissez dans les mêmes horaires et dans les mêmes conditions d'accès jusqu'au 3 avril. À la question pourquoi jusqu'au 3 avril, parce que vu ce qu'on nous annonce en ce moment, ça ne me paraît pas prendre un risque démesuré que d'offrir cette possibilité de test sur la commune à celles et ceux qui en auraient besoin. Le coût global, alors le coût de la prolongation, il est de 12 564 euros, dont 11 900 pour le test et de la location toilette, puisque je suis évidemment là pour offrir des conditions acceptables de confort à celles et ceux qui opèrent les tests. Donc si je reviens globalement sur le coût total de la prestation Loxamed depuis le 19 octobre, puisque je rappelle que cette structure est active depuis le 19 octobre. Elle aura coûté au global 56 242 euros, dont 36 000 à la charge de la commune, puisque la région Île-de-France a épaulé la commune à hauteur de 20 000 euros, et j'en profite pour remercier la région et sa présidente. Le nombre de tests réalisés à date, donc, il est de 2 926 tests, près de 3 000 tests, avant bien évidemment la campagne qui s'annonce. Concernant la fréquentation de ce centre, elle avait pas mal baissé au mois de décembre, c'était logique à l'époque, c'est pour ça qu'on s'est interrogé sur le maintien, et à l'époque je pensais arrêter cette structure, donc on l'arrêtait d'ailleurs pendant un certain laps de temps parce qu'elle n'était quasiment plus fréquentée. Au mois de janvier, il y a eu un début de fréquentation et il y a un rebond. Aujourd'hui, on a un taux d'occupation qui avoisine les 80%, donc on n'est pas à 100%, ce qui veut dire qu'il y a de la place pour ceux qui veulent se faire tester, mais que manifestement, cette structure répond aux besoins de la population. Je n'ai pas le détail chez Nécourtois, pas chez Nécourtois, parce que je ne crois pas que ce raisonnement soit particulièrement pertinent. L'idée, c'est qu'il y ait un centre en proximité pour les chez Nécourtois, et puis après, si ça sert à d'autres personnes, sans priver les chez Nécourtois, je pense que personne ne s'en plaindra. Voilà, vous dire s'il sera très utilisé dans les semaines qui viennent, j'en sais rien, j'ai bien peur malheureusement que oui, et voilà. Et vous dire si je prolongerai, à cette heure, je ne peux rien vous dire, je souhaite ne pas avoir à le faire, mais il convient d'être prudent sur le sujet. Voilà, M. Toledano, ce que je peux vous donner, j'espère que j'ai été assez précis, assez exhaustif sur cette structure Loxamed. Merci de votre réponse, je voulais apporter quelques commentaires. La première, effectivement, c'est que ces tests ne sont pas des tests gratuits,
mais ce sont des tests qui sont pris en charge par la Sécurité sociale. Savez-vous combien coûte un test PCR ? À qui ? À la Sécurité sociale. Non, alors à la Sécu, j'en sais rien. Alors 75, mais 75, c'est ce que paye le patient. Voilà, moi je connais le prix effectivement que paye le patient. Après, le test pour la Sécurité sociale. Alors le test, et je donne l'information, c'est bien de l'avoir. Il est coté B160, le B en matière de biologie est coté 0,27, c'est-à-dire qu'un test coûte 43,20 €. Donc au total, la première opération a coûté 130 000 € à la Sécurité sociale. Donc c'est pas gratuit, c'est bien de le marquer que le test est pris en charge par la Sécurité sociale. C'est une façon de rendre compte de ce que chacun fait. Maintenant, s'agissant effectivement de l'organisation 2 jours par semaine plein, je voulais vous faire la proposition suivante. L'organisation des tests par le professionnel doit respecter des recommandations bien précises au niveau de la réalisation des tests, à savoir que les tests doivent être faits à J7 après une contamination. Le fait d'organiser sur 2 jours ne nous permet pas, à nous professionnels, d'organiser ces prélèvements à J7. Je prends un exemple tout simple. Si un patient a son jour de test le dimanche, il faut qu'il attende le mercredi pour pouvoir se tester sur le site qu'on a organisé. Je vous propose une solution qui me paraît un peu plus élégante, c'est celle d'organiser 4 matinées par semaine au lieu de 4 jours pleins. Ça nous permettra effectivement de ventiler les patients et tout en respectant leurs recommandations de bonne pratique. Le deuxième point que je voulais vous dire, c'est que depuis ce samedi, on a reçu un courrier de la Direction générale de la Santé qui va faire que la décision que vous avez prise va être très utile, à savoir que toute PCR aujourd'hui trouvée positif doit être suivie d'une PCR des criblages de variantes avant de pouvoir faire un séquençage. C'est-à-dire que effectivement, le test PCR aujourd'hui pour cibler le type de variante qui circule doit être suivi effectivement d'une deuxième PCR. Et s'agissant des tests antigéniques qui nous aidaient bien dans notre pratique, aujourd'hui, si un test antigénique est positif et si la personne effectivement vient d'un voyage ou vit dans une situation, d'une zone à risque et qu'elle est chez nous, il faut qu'on double cet examen d'un test PCR. Donc, le besoin va augmenter et je trouve très bien la décision de prolonger cette action jusqu'au mois d'avril. Je voudrais simplement que vous puissiez éventuellement me répondre sur effectivement une ventilation différente dans le temps de cette façon de faire les choses. Merci. Bien, Monsieur Toledano, merci de votre intervention. Je ne ferme pas la porte à une reventilation. Je ne peux pas vous répondre ce soir parce que ce n'est pas moi qui organise les tests. Donc, on verra avec le prestataire s'il est capable de faire preuve de souplesse et de mieux répartir les périodes de tests dans la semaine. Et je reviens vite vers vous en fonction de la réponse qu'il voudra bien me faire. Bien, s'il n'y a pas d'autres souhaits d'intervention, je vous remercie. Avant de vous libérer, donc je vous invite à prendre note qu'il y aura très probablement, mais je ne peux pas encore vous donner la date, un conseil municipal la dernière semaine de février. Semaine du 22 au 26, mais je reviens très rapidement pour vous confirmer la date et les dates des conseils du débat d'orientation budgétaire et du vote du budget sont connues. Donc je vous remercie de votre présence, je vous souhaite une bonne fin de soirée et à très bientôt.